T'es belle. Alors. Alors. Eh oui, alors, qu'est-ce que c'est le petit pro-tips? Mais oui, le walleye, mais on l'a déjà pêché. Demain, il va faire beau, mais ça va souffler. Ce dont on n'en a rien à foutre. Ah! Cher Lulu, voici une vieille recette que ma grand-mère m'a appris. Profites-en, c'est cadeau. Et c'est la pumpkin soup. Ça tombe bien parce que la pumpkin soup, c'est aussi l'un des plats préférés de Sébastien. Comme c'est arrangeant! Ah, Evelyne qui nous écrit une petite lettre en espérant que ça se passe bien à la ferme. Elle nous envoie des petits cookies. Elle espère que ça ne s'est pas réduit en miettes par la poste. Ben, visiblement non, ça a l'air d'aller. Evelyne, elle kiffe les tulipes. Allez, on va lui donner une petite tulipe. Je vais donner ça à Jazz. Ça, ce sera pour Caroline. Je vais faire un petit tour des cadeaux aujourd'hui. Ça sera pour Hailey. Ça, c'est pour Pierre, parce que c'est ce qu'il aime bien. Oh, bah bébé, et ben alors? Ah oui, Shane aussi, il est très cool son développement. Et ben bébé, viens. Mais oui, viens. Voilà. Elle aime bien des fois sauter depuis le canapé sur le dossier de ma chaise et atterrir sur mon épaule. Juste pour passer après et faire brouh, puis elle part. Mon chat d'amour. Sam, c'est bon. Robin, éventuellement, je peux aller lui racheter des spaghettis. Abigail, on va lui filer. Je vais faire une petite journée cadeau. Je vais stocker tout ça histoire de. Abigail. Alors, je vais ranger ça. Hop. On va lui filer une améthyste. Pour Clint, on va lui filer un lingot d'or parce qu'on est comme ça. Ça sera pour Emily. Ensuite, pour Shane et Lewis, on va pas se casser la tête, on va faire du hot paper. Ça sera pour Vincent. Démétrius, il a combien? Pam, je peux lui offrir une. Non, on va pas lui offrir de bière, on ne va pas la sponsoriser, on va lui offrir un panais. Démétrius, on va lui offrir une fraise, il aime bien les fraises. Je vais dire un melon, mais il aime bien les fraises. Jody, elle aime bien les chocolats, les gâteaux au chocolat, mais je ne connais toujours pas la recette. Elle aime bien les diamants, de mémoire. Attendez, je regarde, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Bon. Et bah, on va prendre un truc qu'elle apprécie plutôt. Elle aime tous les fruits, donc on va lui offrir un fruit. On va lui offrir une blueberry. C'est un fruit. Marnie, elle aime aussi le diamant. C'est Goodrich. Ouais, mais je sais pas les cuisiner ça, ou alors j'ai la flemme. Ouais, le quartz. On va lui offrir un quartz. Quartz. Ensuite. Bon, Sam et Sébastien, ça va. On peut les laisser tranquilles. Hailey, j'ai la fleur. Penny, elle aime bien les melons et les émeraudes. Je vais lui filer une émeraude. Marou. Je vais lui filer une batterie, ça changera des cauliflowers. Shane, j'ai le piment. Linus, je lui file un yam parce que c'est ce qu'il aime. Gus, c'est les diamants aussi qui kiffent, mais j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est après? Escargot, fish taco et orange, pas encore. Et bah ce sera un daffodile pour monsieur. Ce sera déjà mieux que rien. Ensuite, on va faire une petite journée cadeau, ça. Petit coup
comme ça. Émilie Vincent, c'est bon. Lewis, c'est bon. Willy, alors, poisson-chat, de mémoire, ça marche. Poisson-chat, pumpkin. Il kiffe la pumpkin aussi. Oui, c'est ça. Et les sea cucumbers, le sturgeon. J'ai combien de pumpkin? De toute manière, je vais en ramasser. J'en ai peut-être qui vont être sympas à lui filer. Bah oui, forcément, je voulais pas ramasser les bok choy. Ça, faut que j'en restocke. Du coup, j'en ai plus. Donc, j'ai tout déposé. Alors, oui, bah, je vais pouvoir lui enfiler une pumpkin. Voilà, il aura une pumpkin d'argent. Très bien. Le wizard et George. George, il kiffe aussi les panais de mémoire, non? George. Non, c'est des leaks. Mauvaise mémoire. Heureusement que je vérifie. Heureusement que je vérifie. Le wizard, du coup, mais j'ai presque plus de place. Tac, 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 paf. On va lui refaire la même chose qu'hier, mais ça ira très bien. Là, j'ai une fleur. Elliot, j'ai rien qu'il aime. En général, moi, je le gave quand je suis décidé à le monter, parce que c'est un des persos que je monte en général en vernis. Je le gave de pommes grenates, mais j'en ai pas. Léa, on lui achètera une salade. Pierre, donc j'ai la fleur. Jas, j'ai la fleur. Alex, ouah. Alex, j'ai rien qu'il aime parce que lui, c'est plein de bouffe qu'il veut en premier. Qu'est-ce qu'il aime à côté de ça? Ah oui, c'est vrai, il kiffe les œufs parce que protéines, tout ça, tout ça. Je vais ranger ça. Bah, du coup, je vais aller voir mes poules. Voilà. Bah, je lui offrirai celui-là, voilà, très bien. Ensuite, Harvey, Clint, donc Evelyn, j'ai la fleur, Alex, j'ai l'œuf, Clint, j'ai la barre. Harvey, on va lui filer ça. Et Dwarf, pour l'instant, on laisse, on s'en occupera plus tard. Donc, faut pas oublier les plats à acheter. Alors, on est lundi, Shane, il va pas tarder à aller travailler s'il n'est pas déjà en route. Marnie, elle sera chez Pierre après, Gus aussi sera chez Pierre. Donc on pourra pas acheter la bouffe tout de suite. Est-ce que Shane est déjà parti au boulot? Bon, on va aller voir le magicien, ce sera fait comme ça. Mais ouais, ouais, là je crois qu'Aster Seed est déjà en route vers le jauge à Marthe. Donc Marnie, elle sera aussi chez Pierre. On est le 22, donc Evelyn et Georges seront chez eux, parce que c'est le 23, leur visite médicale. Ce qui est, entre guillemets, rigolo dans les détails, c'est que Evelyn et Georges sont le couple de personnes âgées du village. Et ce sont les seuls à avoir une visite médicale à chaque saison. George, il y va tous les 23 avec Evelyn. Et Evelyn, je crois que c'est en début, ou je sais plus quand. Elle en fait une aussi de visite, mais je trouve ça rigolo. Enfin, rigolo. Je trouve ça sympa comme détail. Alors forcément, à chaque fois, on parle à la boîte à jouets, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va retrouver plein de monde au jeu Jamart. J'aime bien faire des distributions de cadeaux, je trouve ça cool. Jody, alors Vincent, c'est le raisin. Jody, on avait dit c'était un fruit et c'était ça. Voilà. Sam, bon... Il est max dans son petit max. Mais non, mais c'est quand tu veux valider une action, des fois ça te fait faire des trucs que tu veux pas. Mais heureusement, bah non, je mangerai pas la fleur devant devant Jazz, ce serait terrible.
Ailey, tiens, petit tournesol, c'est cadeau. Tournée générale de cadeaux. Ah, du coup, on a la sonnette avec Émilie. Encore une magnifique journée à Pelican Town. Magnifique piou-piou. Mes amis! Petite chose. Oh, ton aile est cassée. Tu es un peu différent des autres, hein, n'est-ce pas? Comme moi. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tout ira bien. Et donc, Émilie s'occupe maintenant de ce perroquet blessé. Elle l'a ramené chez elle et lui a fait un bandage pour son aile. Il est maintenant installé dans sa chambre et en marque de respect pour l'animal, elle a décidé de ne pas lui donner de nom. Pour que, pour elle, j'imagine, elle a l'impression qu'il garde sa liberté, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, maintenant, quand on va dans sa chambre, on peut... Spam the bird! On peut parler à l'oiseau. On parle l'oiseau. C'est très rigolo. Ah, mais Émilie, je trouve qu'elle est géniale, mais... Alors, je veux pas trop en dire, mais j'aime pas trop monter son affection. J'essaie d'y aller doucement et il faut absolument que je monte l'affection de Clint avant. Mais à chaque fois, j'ai de la peine à monter l'affection pour... Putain, je me souviens plus, c'était quoi pour Gus? À chaque fois, j'ai de la peine à monter... Ah oui, le daffodile. De monter l'affection pour Emily parce que ça... Non! Ça brise le cœur de Clint et je trouve ça trop triste. Et du coup, je veux pas faire ça, donc... Faut que je monte... Faut que je monte l'affection avec Clint aussi. Ah, donc Monsieur Rasmodius voudrait une améthyste. Très bien, ça c'est facile à faire. Tiens, des pickles de bok choy. Enjoy. Bye bye. Je l'ai tellement pas monté. Toujours un cœur. Le pauvre. Alors, Marnie, du coup, c'est le quartz. Hop, ça c'est pour Pierre. Alors, j'ai pas encore assez pour le shed, mais j'ai éventuellement assez pour prendre les deux trucs. Je vais d'abord prendre ça. Orange et peach, très bien. Il ne manquera plus que les arbres d'automne. Si ça, c'est pas beau. Caroline, c'est pour toi. Alors, Léa, ça arrive. Lewis, petit piment. Oui, non, mais je sais, mais j'essayais de lui parler, mais du coup, je peux pas lui parler parce que j'ai que des trucs qui se donnent dans mon inventaire. Terrible. Petit cadeau pour Gus. Ensuite, Spaghetti. Non, pas le bread, je me suis trompée. J'ai cliqué trop vite. Ah, c'est pas grave. Penny, ça c'est bon, c'est fait. Alex. Bouffe ton œuf. Alors, tulipe. Voilà, leek pour Georges.
Ah, on fait des cadeaux à tout le monde. Je regarde. Ok, ça c'est bon. Je vérifie. Donc Léa, elle est allée ici. On va pouvoir lui filer la salade. Je dis que j'offrais quoi à Elliot? Ah mais en plus il aime que des trucs. Je crois que j'ai rien pris pour Elliot. Je crois que j'ai oublié de prendre un truc pour Elliot. Ah mais non mais il va pas aimer ça. Je crois que ça fait partie des trucs qui sont pas trop aimés. Blackberry, attendez. Je vais regarder. Non, ça va. Lui il aime bien. Il faut faire gaffe parce que des fois il n'y a pas tout le monde qui aime ce genre de choses donc. Mais là ça va, ça passe avec lui. Harvey, ça c'est fait. On va aller voir Clint. Ça prend du temps hein, de faire des cadeaux à tout le monde. Hein. Aussi qu'on allait voir Willy. Alors, Pam, hop. Ensuite, Shane, qui est ici et qui travaille. Sam aussi, hein, qui bosse chez Jojamart. Alors, donc, il ne reste plus que la fraise pour Demetrius, ça c'est pour Robin, ça c'est pour Maru, ça c'est pour Linus, ça c'est pour Willy, et ça, hop, c'est pour ma gueule. Et ça, ce sera pour Elliot. Voilà, je vais aller voir en bas et on ira dans la forêt, dans la montagne après, et ce sera bon. Normalement à cette heure-ci, est-ce que Elliot il est sorti de chez lui ou il est parti dans la forêt? Parce que des fois il se balade en forêt, ce petit sacripant. Ou il est peut-être au magasin. Non, je crois qu'il est au magasin. Oh, il y a un truc à... Mais je n'ai pas ma bêche. C'est possible qu'il soit... On est lundi, c'est possible qu'il soit... au magasin. Hop. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire quand elle regarde l'océan? Oui, parce que je lui ai parlé en fait. Quand on appuie sur action, le bouton d'action pour descendre du cheval, forcément, je lui ai parlé en descendant du cheval. Donc, c'est petit gain de temps, vous voyez, optimisation. Ah, Maru. Hop. Non, il est pas là, Elliot. C'est pas le jour de sa visite, donc je pense que je pense qu'il doit être dans la forêt ou au pire on le verra plus tard. De toute manière, Elliot, c'est pas ma priorité. Bon, j'ai fait un cadeau à Alex, je peux bien faire un cadeau à Elliot. Quand même. Alors, on va lui réoffrir des spaghetti. Ah oui, c'est vrai qu'il peut être aussi à la librairie. Oui, il doit être à la librairie et puis après il va rentrer chez lui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié la librairie. Salut. Non. Voilà. Linus. Est-ce qu'il est là? Oui. C'est cadeau. Et donc, Elliot, là, il va encore être à la bibliothèque et après, il va se diriger vers chez lui. Donc, on va l'intercepter.
Et après, on ira enfin arroser nos plantes, hein, parce qu'on l'a pas fait ce matin. Mais non, heureusement que je l'ai pas mangé. Mais ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé des fois quand même d'aller trop vite et de bouffer les cadeaux sans faire exprès. Je tâche, putain. C'est pour ça, offrir des pierres précieuses, c'est plus safe. Vous pouvez pas bouffer les pierres précieuses. Voilà, on a fini la distribution de cadeaux. Incroyable, il est 5 h, on n'a rien foutu à part courir après tout le monde dans la ville. C'est beau. C'est beau. Mais au moins on est content. Oui, il n'y a que Abigail qui mange les pierres précieuses. Quoique, quand on lui offre ce qu'elle aime et qu'elle fait le petit cœur, elle ne le dit pas forcément, mais quand on lui offre un quartz, là, effectivement, c'est plus ou moins dit qu'elle a peut-être le bouffé. Et là, tu fais « Ah bon? Très bien. Pourquoi pas? » Mais en plus, on a plein de trucs qui ont fini de pousser. Mais c'est pas grave, là on va pas replanter, je vais juste planter les graines que j'ai là en réserve et ça suffira. Alors, hop. Je peux replanter ces deux-là. Voilà, très très beau. Les poules, elles sont bien rentrées, on vérifie. Oui. Bonne nuit, Kimou. Là, je crois qu'on a tout ramassé. Ça m'a l'air pas mal. Alors. Hop. Eh bien, ma foi, c'est bon. Maintenant, on va tout arroser. Parce qu'on n'a rien arrosé. Quel scandale. Pour une fois que c'est pas un déchet, c'est beau. Alors je sais qu'il y a pas, y a rien qui est planté là, mais c'est pour faire joli, vous comprenez. Là, ça va, c'est caché par l'arbre, on s'en fout. Voilà. On va tout arroser. On va chercher nos petits champis. Je récupère. Je l'avais mis où? Là? Non. Là? Oui. Paf! Petit aller-retour à la plage, vite fait. Je viens récupérer ceci. C'est de la merde. En même temps, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais. J'en profite pour remettre des appâts, comme ça au moins on aura peut-être des trucs intéressants à ramasser, on sait jamais. Puis bah tant qu'on est là, hein.
Et maman, on rentre. Oh là là. Ça aura été une journée rudement vide. Mais riche en liens qui se resserrent. Riche en amitié. En amour. D'ailleurs, faisons le point comment on est. Abigail, elle est presque à 8 heures, c'est beau. Le trio de potes est presque à son max. Ellie, il y aura bientôt un nouveau événement avec elle. Penny aussi, Maru aussi. Shane, il était déjà à 4 coeurs, on avait déjà vu sa sonnette à 4 coeurs, donc ça c'est bon. Emily, on l'a vu du coup. Léa à 2 coeurs, ça on l'a vu. Elliot, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Alex, on avait déjà 2 coeurs avec lui, je crois. Sa sonnette, je crois qu'il faut juste aller à la plage. Il me semble. Je crois que c'est le matin, donc on ira voir ça demain matin. Ça, je crois pas qu'on l'ait vu encore, donc ouais, demain il fait beau, bah je ferai ça demain matin. Parce que je crois, hein, j'ai comme un doute, mais je crois qu'on ne l'a pas vu. Bah je vais garder le pain de côté. Ouais, non, je vais en refaire des pickles. Je vais les foutre. Enfin, quoi que je. Mais non! Je veux parler au coffre. Je peux remettre ça là, mais je vais foutre celui-là ici. C'est un peu le coffre à bazar. Le coffre à bazar. Hop, ça on vend. J'ai pas rangé le miel. Voilà. Voilà! On y arrive! On range ça. Voilà, je m'assure que ce soit bien rangé. Et au dodal. Bon, ce sera fait un peu de sous quand même. Ça va. Mais maintenant, il faut qu'on se refasse une fortune. Pour le shed. Éventuellement, les arbres de l'automne, ça pourra attendre un petit peu. On pourra les acheter au printemps. Histoire que ça pousse pendant l'été. Ou en hiver d'ailleurs aussi, ce sera très bien. J'aimerais bien avoir le shed. Le petit abri. Donc aujourd'hui, il fait beau. Demain, il fera beau aussi. Alors, cher Lulu, je sais que tu dois être assez occupé sur la ferme, c'est pourquoi je ne peux pas vraiment te rendre visite. Je comprends. Non, c'est pour ça que tu ne peux pas me rendre visite, pardon, si j'inverse. Non, voilà, ça ne faisait pas sens. Donc, oui, bah oui, c'est pour ça, on est occupé sur la ferme, c'est pour ça que tu peux pas me rendre visite, et je comprends, bah oui, hein. Tu travailles tellement dur, mais continue, continue et tu pourras accomplir absolument tout ce que tu veux. Eh oui. Bisous, papa. PS, je t'ai inclus dans la lettre, je t'ai envoyé des pierres de qualité. Ouais, c'est juste des pierres, hein. Ça va. Cher Lulu, il n'y a rien de plus satisfaisant que de cuisiner ses propres légumes, ou ses légumes fraîchement ramassés du jardin. Je t'ai rajouté dans cette lettre une petite recette pour t'aider, donc sous-entendu dans la cuisine. Prends soin de toi, et Caroline, et elle nous apprend à faire une soupe de parsnips. Et voilà. C'est beau. Faire des soupes de panais.
Eh ben, ça m'a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? De la merde! Qui tombe à l'eau en plus parce qu'on n'a plus de place! Oh oui! Incroyable. Eh ben, on a plein des cranberries! Je vais m'en garder de côté. Voilà, 6. Bon, je vais en garder 4. et je vais revendre tout le reste. On a suffisamment. Ah oui, j'avais pas vu même ça là-bas, je n'ai pas pu le ramasser. Ça, faut que je vérifie. Hop, alors. Va falloir qu'on se refasse des appâts. On va refaire ça tout de suite, ce sera fait. Et là, je refais des appâts normaux, basiques, même si on a appris la recette des appâts un peu plus cool grâce à Linus, parce que je préfère faire cela parce que bah, ça demande juste un morceau d'insecte, une viande d'insecte, mais un morceau d'insecte, voilà. Alors que là, ça en demande 5, avec 10 fibers et 5 slimes, donc c'est un peu plus chiant. Je préfère les appâts simples, qui sont moins relous à craft. Enfin, c'est pas relou à craft, c'est juste que ça demande un peu plus de compos et j'ai la flemme de tout ramasser. Terrible, Lulu. Ça, je peux vendre. Alors, ça, on va les stocker précieusement. Le maïs, c'est bon. Le raisin, c'est bon à nouveau. Ça, on peut vendre. Tout le reste, on peut vendre. Très bien. Tout cas, moi, je suis contente parce que j'ai de plus en plus d'amis qui se mettent, d'amis et connaissances qui se mettent à Stardew Valley. Et je trouve ça très très cool parce que je suis contente que ça se propage. Après, bon, ça va pas forcément toujours plaire à tout le monde, mais au moins, je suis contente que ça intéresse des gens et je suis contente que ça rapporte un peu des sous à Concerned Ape aussi parce que bah, c'est un jeu qui mérite d'être connu et qui mérite bah, de bien marcher. Je suis contente quand je vois des gens que je connais qui s'y mettent. Moi, ça me fait toujours plaisir et à chaque fois, je suis très curieuse de savoir quels sont les persos qui vont essayer de romancer. Je suis très curieuse de savoir comment est-ce qu'ils vont jouer au jeu et je n'hésite pas aussi à leur dire que faut pas qu'ils hésitent à me poser des questions si jamais, parce que ça me dérange absolument pas de les aider, de leur filer des conseils, parce que j'ai envie qu'ils aiment le jeu, donc j'essaie de faire ça au mieux, donc du coup c'est cool. J'aime bien avoir des amis qui se mettent à jouer à ça. Voilà, on a tout arrosé. Je vais faire un petit saut à la plage et on va, pour pas changer, repartir dans les mines. Je vais juste garder. Alors, voilà. Je vais juste garder 3 appâts pour les boîtes qui sont à la plage et on ira direction les mines. Un bébé chat. Elle n'en pense pas moins. Ah oui, Rasmodius, il veut une améthyste. Et Clint qui veut des minerais d'or. Très bien. Bon, on va s'occuper de ça dans la foulée, avant d'y aller. Alors, je sais pas si ça se déclenche quand on y va à cheval, donc je vais y aller à pied. Attendez, c'est pas ça alors, ça sonnette. C'est quoi, Alex? Parce que je sais que le 4, c'est avec le chien. Ah, c'est seulement en été. Bon, bah, ça attendra l'année prochaine. Je croyais que c'était n'importe quand, avant l'automne. Avant l'hiver, je veux dire. Mais non, c'est. C'est seulement en été. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas grave. Je
m'en fous un peu d'Alex. Désolé à ceux qui aiment bien Alex, moi je... Bon, on la verra, hein, on la verra la scénette, c'est juste que... Bon, bah faudra attendre l'année prochaine. C'est tout. Donc on a dit une améthyste et des minerais. Voilà, le minerai c'est bon, une améthyste. En même temps, je vais pouvoir ranger ça. Non, je me trompe de coffre. Voilà. Et il n'y a pas besoin hein, de les avoir sur soi. Et donc c'était bien une améthyste, c'est ça. Juste les récolter, ça suffit. Ça, je le ramasserai en rentrant. Elle est tellement belle, cette musique. Ah ah, ça y est. Je m'en étouffe de joie. Ah là là. On est à 4 cœurs avec le... Je vais mourir. Avec le mage, tout va bien. Ce qui veut dire qu'on a accès à son basement. On a accès à sa cave et à sa cave, on trouve ça. Alors on va pas aller le voir tout de suite. Mais... Cet endroit un peu étrange dans son sous-sol, c'est ce qui nous permet de changer d'apparence, de refaire notre personnage, et c'est assez pratique. Moi, en général, je l'utilise juste pour relooker mon perso en certaines occasions. Parce que malheureusement, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien que le jeu intègre de base, mais c'est pas le cas. C'est les costumes, il y a certains événements, comme par exemple la danse au printemps, ou pour le mariage, on n'a pas de tenue particulière. Alors bon, sur PC, il existe des mods qui permettent de remédier à ça, mais je trouve ça un peu con de devoir passer par des mods pour ça, quoi. C'est dommage, quoi, que ce soit pas de base dans le jeu. Et donc moi, pour contourner un peu ça, j'utilise l'espèce d'hôtel dans la cave du magicien pour du coup relooker le perso. Bon, c'est pas la même chose que... oh cool. Que ce que les autres personnages ont, mais bon, ça... C'est un peu moins moche que nos habits de fermier qu'on a depuis le début du jeu, quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que de base on n'ait pas... quand on fait une cutscene en particulier, qu'on n'ait pas pour l'occasion un costume particulier qui se mette automatiquement, quoi. C'est un peu mon seul regret, mais bon, on peut remédier à ça un petit peu par, comme je vous dis, le fait de pouvoir changer d'apparence chez Asmodius, mais c'est pas... Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon. À part ça... Oh, mais non. J'aurais dû regarder ma chance aujourd'hui, mais bon, ça a l'air d'aller. Allez, c'est parti pour la longue recherche de la sortie. Ben voilà. Ça va, je pense qu'on n'a pas une chance trop dégueulasse. Il n'y a pas à avoir grand chose.
petite cave carotte. Je me demande à combien on en est. Faudrait que j'aille voir à la guilde. Parce qu'à chaque fois je viens, bon, certes pour récupérer vite fait une ou deux Frozen Tears, mais... Là, si je continue à aller dans les niveaux de glace, c'est aussi pour farmer les Dusties. Parce que la récompense est très très cool. Alors, deux petites secondes. Et voilà. Donc je disais que la récompense est très très cool. Et c'est un truc que j'aime bien avoir en général sur mes persos. Donc j'aimerais bien qu'on le récupère aussi. Vous comprendrez pourquoi quand on l'aura. Alors casser des petits cristaux là, ça permet des fois de récupérer des barres, enfin des lingots de quartz raffinés directement. Sans avoir à les faire soi-même. Ça arrive pas forcément à chaque fois, mais ça peut arriver, donc c'est pour ça que souvent je les pète quand même. C'est toujours ça de prix. Mais ça tombe pas à tous les coups. Chaque fois, ils ont l'air surpris et déçus, les fantômes. C'est pas choqué et déçu, c'est surpris et déçu. Les fantômes, quand on les tue, ils ont l'air... Du coup, j'aime bien leur bruitage. Mais revenez! Chaque fois que je viens à un bout d'une petite Dusty, à chaque fois je me dis ça y est c'est la dernière, ça y est c'est la dernière. Mais non. Oh là là, dis donc, et en plus on en ramasse deux d'un coup. Oh là là, c'est pas beau. Pas trop fan de cet étage en général, mais bon. Ah, petite topaze. Par contre, on en aura trouvé pas mal, hein, des doubles gemmes. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah, ah. Ah. Plus de blagues. Bah alors? Ah, quand même! Je commençais à m'impatienter. Est-ce qu'il y a des Dusty à porter? Non, bah on se casse. Yes, leave the mine! Est-ce que j'aurais passé à la guilde avant que ça ferme? Alors! On en est à... 302 sur 500, donc on a encore un peu de temps en fait, on est plus loin que ce que je pensais. On a du temps encore, hein. Je lui sers un petit coucou. C'est important. Et coucou. Ah oui, c'est le jour où il est vénère. Ah tiens, un petit cadeau. Tu seras moins vénère. C'est le jour où il est fâché après Démétrius.
C'est des mardis. Pas content. Il se prend la tête avec Démétrius. Rien ne va. Je vais lui filer, voilà, une aquamarine. Aquamarine. Et là, il est à deux cœurs. Si c'est pas beau. Mais j'ai pas de place. Eh ben, on va se faire de la place. Voilà. On participe à la déchéance de Shane. Je suis désolée. À chaque fois que j'essaye quelque chose de nouveau, ça finit vraiment mal. Du coup, tu finis juste par apprendre à rester dans sa zone de confort, slash coquille, slash à jamais se bouger le cul. C'est un peu triste. Il y a du vrai. Demain, c'est l'anniversaire de Georges. On lui offrira un leak pour pas changer parce que ça marche bien. Ça marche bien, il aime bien ça. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait? Quoique, on pourrait changer et lui offrir un fried mushroom. D'ailleurs, je crois que je connais la recette. Je vais aller vérifier ça après. Comme ça, on sera fixé. Alors, on peut ranger ça. Ça, on peut le vendre directement. Ça, je vais vendre le surplus. Hop, hop. Ça, on stocke tout le temps. Bah, je vais remettre ça à fondre. Mais non. Hop. Ensuite, topaz, je peux vendre. Quartz, j'en stocke un. Hop. Bon, je peux vendre. Donc ça, je vends. Ça, je... Oups, vends. Ça, faudra le faire ouvrir. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. On récupère notre équipement. Voilà. Faut que j'aille chercher les champignons. Oui, je sais qu'il commence à se faire tard, mais ça va. Ça va. Et donc, est-ce qu'on sait faire? Oui. Il nous faudra juste ces deux champignons-là, mais sinon on sait faire. Et ben voilà, ça lui changera de ses traditionnels leaks d'anniversaire. Ah bah voilà! Voilà du flouze, du cash, de la monnaie, de l'oseille, du blé, de l'argent, des pépettes, du liquide, tout ça quoi. Alors, deux petites secondes.